Bonjour à tous. Salut, salut. Donc moi c'est Aurélien. Et moi c'est Serge. Et donc on fait partie d'un petit collectif qui s'appelle Histoire Populaire. Et aujourd'hui on vous propose de jouer à Démocratie 3, qui est une simulation politique qui va nous permettre d'implémenter les programmes des différents candidats de la présidentielle 2017 et de voir comment le jeu réagit. Alors on va faire un petit test avec eux. Donc on choisit la France, on choisit notre parti, Alors, au hasard on va prendre le front de gauche, et comme parti d'opposition, Non, EELV quand même pas. non, Quand même. on, de Ouais. temps en temps on se bat mais quand même pas quoi. Quand même pas. Voilà, le Front National comme parti d'opposition, donc là on voit durée du mandat maximum 5 ans, nombre de mandats maximum 2, indifférence politique 40%, c'est à peu près le taux d'abstention, hein. Voilà, et donc on peut lancer la simulation. Alors. Alors, il faut qu'on vous explique ce qu'on a fait, parce que on a dû modifier le jeu du coup pour pouvoir implémenter le programme des différents candidats. Et pour introduire les budgets réels de la France, on a dû ramener tous les chiffres au trimestre, parce que le jeu fonctionne au trimestre, et nous on avait les chiffres annuels. Donc en gros, tous les chiffres sont divisés par 4 et ajustés pour correspondre au montant réel. Alors, sauf la dette qui elle-même Ouais. évolue par trimestre, mais donc la dette en France aujourd'hui est à peu près de 2 000 milliards d'euros. Hein. Voilà. Donc on a ajusté également, si on clique sur revenus ou sur dépenses, voilà, on a mis les chiffres réels sur la TVA, sur l'impôt sur le revenu, sur la taxe sur les entreprises. Donc tous ces chiffres-là, hein, vous voyez, 38 milliards pour la TVA, ce sont des chiffres par trimestre. Hein. Donc vous multipliez par 4 pour avoir les chiffres réels. Et dans les dépenses, pareil, on a mis les dépenses des ministères. Donc l'éducation est bien le principal budget français. On a créé un budget qui s'appelle autres dépenses, hein, qui permet d'équilibrer notre simulation parce que Ça. y a des centaines de points, on n'a pas pu tout régler encore. Voilà, notre modification n'est pas parfaite, mais on peut l'améliorer, hein, si vous souhaitez. On peut vous envoyer les fichiers et vous pouvez jouer chez vous avec notre simulation et puis l'améliorer. Au fur et à mesure. Donc voilà notre situation de départ. On est ici. Donc le prochain président commence avec cette situation. Et puis on va voir en intégrant leur programme comment ça évolue.